Osons la fraternité est un recueil qui contient des nouvelles, des histoires courtes, des poèmes, une déclaration des poètes, un manifeste pour une mondialité apaisée de Mireille Delmas-Marty. C'est un ouvrage collectif auquel j'ai moi-même participé en écrivant une nouvelle. C'est un ouvrage qui regroupe une douzaine de femmes. Il y a des essais philosophiques, de grandes réflexions, il y a des témoignages, par exemple, de Le Clésio. C'est un ouvrage « Osons la fraternité avec les réfugiés qui sont nos semblables et ayons le courage de peut-être nous priver un petit peu de confort matériel, mais d'être dignes de ce que nous sommes. » Et c'est un ouvrage pour lequel tous les contributeurs ont renoncé à leurs droits d'auteur, tous les droits d'auteur iront au GISTI qui intervient auprès des réfugiés. C'est un ouvrage écrit en partenariat avec Étonnant Voyageur, qui est édité par Philippe Ray, et qui donc vous promène un peu, parfois en souriant, puisqu'il y a des histoires drôles, il y a de très beaux dessins, il y a des textes extrêmement émouvants, comme les témoignages, il y a des essais de réflexion profonde, il y a des nouvelles, donc des histoires vraiment qui sont racontées, et qui nous permettent de faire à la fois un acte de solidarité auprès des associations qui dignement interviennent auprès et efficacement interviennent auprès des réfugiés. Et ça nous permet aussi de faire un acte de partage, parce qu'il y a vraiment de la littérature, il y a de la philosophie, il y a de la réflexion, il y a de la poésie, il y a de tout, et vous pouvez y trouver votre bonheur.